Pour apprécier l'incidence des bactéries sur la fertilité des sols, l'INRA a construit une plateforme expérimentale, entièrement automatisée. Le développement des végétaux y est mesuré dans des conditions très contrôlées. L'équipe de Lionel Rangard fait pousser des plants de luzerne dans des pots remplis d'un sol dont elle dose le nombre et la diversité des bactéries. Au bout de 6 semaines de culture, on voit que dans le pot où on a un sol normal, on a une bonne croissance de la luzerne, et dans un pot où on a une diversité réduite de bactéries, eh bien, on a une croissance beaucoup plus faible de la luzerne. Et dans ces deux pots, où il semble que la luzerne soit plus développée que dans les deux pots précédents ? Alors, c'est exactement la même expérience, sauf qu'ici, on a arrosé les plantes avec de l'engrais, et donc on a une augmentation de la croissance de la plante liée à l'apport d'engrais, et malgré l'apport d'engrais, on continue à avoir une grosse différence de croissance de la plante avec une plante qui pousse moins là où on a moins d'espèces de bactéries. L'expérience démontre que les bactéries ont une influence capitale sur la fertilité des sols. Plus ils abritent de bactéries, plus ils sont fertiles, qu'ils aient reçu de l'engrais ou qu'ils n'en aient pas reçu.